Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Au travers de cette présentation, nous allons tenter de vous présenter l'EIC et plus particulièrement les appels Pathfinder Challenges. Dans cette présentation, plus précisément, nous allons voir le défi Novel Routes to Green Hydrogen Production ou en français, production d'hydrogène vert. J'en profite pour vous présenter les différents membres du PCN Pathfinder. Donc, je suis moi-même la coordinatrice Elsa Yurkizar et je suis accompagnée par mes deux collaborateurs, Chiara Molinelli et Laurent Vol, qui sont tous les deux dédiés à 40% sur ce PCN. En dessous, vous pouvez retrouver notre adresse email générique à laquelle vous pouvez nous joindre, et ensuite notre lien pour notre page LinkedIn qu'on a en collaboration avec nos collègues du PCN Accélérateur. Au sommaire de cette présentation, on a donc deux grandes parties. Une première partie qui sera dédiée à l'architecture d'Horizon Europe et de l'EIC de manière plus générale pour en comprendre le contexte. Et une deuxième partie qui sera plus spécifique aux défis étudiés dans cette présentation et les enjeux qu'ils comportent. Avant tout, pour comprendre ce qu'est l'EIC et les appels Pathfinder Challenges, il faut avoir connaissance du programme cadre dans lequel il s'inscrit. Le programme cadre en question, c'est Horizon Europe. C'est un programme cadre tout récent. Il a commencé au 1er janvier 2021 et il prend la suite du programme cadre Horizon 2020. Donc peut-être que certains connaissent le programme cadre Horizon 2020. En tout cas, dans sa structure Horizon Europe, il ne change pas énormément, c'est-à-dire qu'on retrouve toujours trois piliers avec des objectifs différents. Le premier pilier, donc, dans ce programme cadre de 7 ans, à 25 milliards d'euros de budget. On retrouve des appels blancs, c'est-à-dire non thématiques, où les chercheurs et chercheuses peuvent présenter les sujets qui leur plaisent. Le pilier 2, donc avec un budget de 53,5 milliards d'euros pour les 7 ans, va avoir là des appels thématiques, donc ciblés sur des clusters, donc des thématiques scientifiques bien précises, avec des appels où les objectifs sont déjà ciblés. Et le dernier pilier, donc le pilier qui est plus dédié à l'innovation et à faire de l'Europe un leader mondial en termes d'innovation, on retrouve dans ces catégories le Conseil européen de l'innovation, qui est une nouveauté de ce programme cadre. Et pour l'entièreté de ce pilier, on a donc un budget de 13,6 milliards d'euros. On a également un pilier qu'on dit transversal ou quatrième pilier, ça dépend, qui est là avec des thématiques plus larges et plus transversales pour un budget total de 3,4 milliards d'euros. Donc au sein de ce Conseil européen de l'innovation, comme on va le voir, il y a différents types d'appels à projets et selon le niveau de TRL. Et c'est au sein de ces différents appels à projets qu'on retrouve les Pathfinder Challenges. La première question qu'on pourrait être amené à se poser, c'est pourquoi l'EIC a été créé et quels sont ses objectifs? La réponse la plus simple, c'est celle que je vous ai dit précédemment, c'est-à-dire faire de l'Europe un leader en termes d'innovation au niveau international. Les objectifs de l'EIC, c'est de financer des innovations radicales à haut risque, créatrices de nouveaux marchés, c'est-à-dire des innovations rupture avec état d'art, qui ont donc un haut niveau de risque, mais qui sous-tendent donc un haut potentiel technologique. Cet aspect risque, c'est quelque chose qui peut ralentir les investisseurs privés et donc les moyens que mettent en œuvre l'EIC et qu'ils mettent à disposition des innovateurs, c'est aussi pour pouvoir dérisquer ces technologies-là et attirer ces investisseurs privés. L'EIC couvre l'intégralité de la chaîne d'innovation au travers de ces différents appels à projets. Ça va donc de la TRL 1 au TRL 9 et l'objectif là est aussi d'accompagner les différentes idées technologiques tout au long de cette chaîne et de combler le fossé qu'il y a entre le laboratoire et le marché. Ce fameux fossé, on l'appelle aussi la vallée de la mort, c'est entre le moment où il y a une validation au niveau laboratoire de la technologie et comment concrétiser ça à plus grande échelle pour une potentielle mise sur le marché à terme. L'EIC a aussi pour objectif d'accélérer la croissance de ces entreprises à haut potentiel et donc de soutenir de manière plus générale les meilleurs innovateurs de l'Union européenne. Maintenant, la question est de savoir comment est mis en œuvre l'EIC et comment il se concrétise. Donc, tout d'abord, le budget pour l'EIC, pour ces 7 ans, c'est 10,1 milliards d'euros et c'est sous-divisé en différents programmes de travail annuels. Et donc, pour cette année de 2021 qui nous intéresse, on a un budget de 1,51 milliard d'euros pour tous les appels de l'EIC confondus. On a des appels qui sont bottom-up ou aussi dit blancs, c'est-à-dire pas thématiques, et des appels top-down qui sont donc là thématiques avec des objectifs précis. L'objectif donc de l'EIC est de détecter et de développer des innovations de rupture très technologique, donc qui ont donc la particularité d'être risquées et d'être en rupture avec l'état de l'art.
Il y a un point d'honneur qui est mis sur la deep tech et sur des investissements à long terme. Et on va plus particulièrement cibler des innovations qui ont des axes multidisciplinaires et multisectoriels. Là, vous voyez sous vos yeux donc la chaîne de l'innovation, donc de Technology Readiness Level. Pour ceux qui n'ont pas connaissance ou qui ne se souviennent pas, on a mis un petit rappel à droite des définitions de chaque niveau de TRL. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que TRL 1, c'est l'émergence de l'idée dans l'esprit du chercheur, et TRL 9, c'est la mise sur le marché et la concrétisation d'une technologie. Alors, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est les appels Pathfinder. Mais il faut savoir que, comme j'ai pu le dire précédemment, le IC couvre les différentes, toute l'échelle de l'innovation, donc de la TRL 1 au TRL 9. Et les Pathfinder, c'est des TRL plutôt bas, c'est-à-dire qu'on va se positionner sur la recherche exploratoire, majoritairement, sauf contre-indication dans le challenge spécifique. Et ces challenges-là, donc, et ces appels Pathfinder vont avoir pour objectif d'arriver à un TRL 3-4, c'est-à-dire une preuve de concept ou une validation en laboratoire de la technologie. Les Pathfinder, il y a donc les Pathfinder Open, c'est-à-dire des bottom-up, comme on disait, des appels plans, et les Pathfinder Challenges qui nous intéressent dans cette présentation, qui sont des appels top-down, c'est-à-dire thématiques. Cette année, donc dans le programme de travail annuel 2021, il y a 5 challenges différents sur des thématiques de recherche bien précises, et nous allons voir dans cette présentation plus en détail le défi concerné. On va regarder maintenant quelle est la distinction entre les Pathfinder actuels et ce qui était l'équivalent des anciens Pathfinder sous H2020, c'est-à-dire les FET. Les FET, c'était les Future Emerging Technology. Donc on a vraiment un nouveau design, comme on a pu en parler précédemment, qui se concrétise sous le IC pour avoir une cohérence en termes d'accompagnement et de financement de l'innovation. On a aussi un nouveau système d'évaluation qui est bien distinct entre Pathfinder ou aussi Transition, mais aussi entre Pathfinder Open et Pathfinder Challenges. Et ce système d'évaluation qui est distinct se matérialise aussi par la grande nouveauté qui est le management actif par portfolio. Alors, qu'est-ce que le management actif par portfolio ou par portefeuille de projet, si on préfère, c'est qu'il y a maintenant au niveau de la Commission européenne des programmes managers et chaque programme manager est responsable d'un portefeuille de projet. Ces différents projets sous un même portefeuille ont un ou des objectifs en commun sur une thématique bien précise. Les Pathfinder Challenges en sont la preuve. Vous postulez sur un challenge bien précis. Vous serez amené à travailler en synergie avec tous les autres projets qui seront acceptés sur cet objectif-là et sur ce challenge-là. Le programme manager, son rôle, c'est déjà de participer à l'évaluation des différentes propositions pour sélectionner son portefeuille. Donc, il a un rôle très important dans le système d'évaluation. Mais c'est aussi la personne qui va coordonner et qui va diriger les différentes actions des projets, qui peut réorienter et donner son avis sur les actions à entreprendre. Donc on a vraiment maintenant un management qui est très proactif. On n'est plus avec des projets individuels qui avancent chacun de leur coin. On va essayer de concrétiser une réelle synergie entre les différents projets financés sur un même objectif. On a également maintenant des possibilités de financement additionnel qu'on pourra avoir plus précisément par la suite. Et on a maintenant aussi, dans cette idée d'accompagnement de la technologie et de donner les moyens aux innovateurs, un service qui s'appelle les services d'accompagnement, qui est aussi appelé donc en anglais Business Accelerator Services. On va y revenir plus tard pour entrer un peu dans les détails de ce qui pourrait être proposé. Ce qui peut être intéressant à regarder plus en détail, c'est quel est le rôle plus précisément de ces différents programmes managers qui vont quand même jouer un rôle clé au niveau des futurs potentiels projets que vous allez avoir, mais également aussi dans la mise en œuvre de l'UIC de manière plus générale. Alors, chaque programme manager est en charge des différentes feuilles de route technologiques de son portfolio. C'est-à-dire qu'il peut être amené à dire dans quelle direction continuer, il peut également réorienter, suspendre ou même terminer un projet s'il ne s'avère plus du tout pertinent dans le cadre de son portefeuille. Il peut être aussi à l'initiative de demandes de changement dans le programme d'un des projets qu'il porte, ou encore demander l'accès à des services d'accompagnement ou à la préparation d'un dépôt d'un autre financement comme l'accélérateur ou tout autre financement qui lui semble pertinent.
Il peut arriver également que des projets Pathfinder Open, donc issus d'appels blancs, rejoignent le portfolio dans lequel vous êtes et dont il est en charge ou elle en charge, pour des actions comme des réunions, du partage de données ou toute autre action qui semble pertinente dans les objectifs du portfolio dont vous faites partie. La feuille de route d'un portfolio est amenée à évoluer avec le temps. Il peut impacter notamment les attendus des différents projets concernés. Les évolutions se font de manière collégiale entre le programme manager et les différents porteurs de projets. Mais il faut bien avoir en tête qu'entre le démarrage d'un projet et la fin du projet en question, il peut y avoir de grandes différences et de grandes évolutions qui peuvent être apportées par ce fameux programme manager. On va maintenant regarder plus en détail les attentes sur ce défi. La première chose à noter, c'est qu'il y a deux programmes managers qui s'appellent Francesco Matteucci et Antonio Marco Pantaleo. Vous voyez en dessous qu'on vous a également mis le titre de référence de l'appel de ce défi. Alors, quel est l'objectif de ce défi-là? C'est de développer de nouveaux moyens de production d'hydrogène vert, que ce soit de nouveaux moyens biologiques, chimiques ou même physiques, et également, voire par la même occasion, un investissement public massif en R&D sur ces thématiques-là, tout en cherchant à attirer des capitaux privés. Il faut savoir que c'est une thématique qui est vraiment au cœur des priorités de l'Union européenne, notamment dans le Green Deal, où l'Europe s'est engagée à décarboniser tous les secteurs économiques pour une Europe qui serait climatiquement neutre. La phrase que je vous ai citée précédemment, c'est une phrase qui ne sort pas de nulle part, c'est une phrase que vous retrouvez dans le Challenge Guide, qui est vraiment essentielle à lire et qui vous permettra de comprendre tous les objectifs et attendus sur ce défi, et donc d'optimiser vos chances de réussite. Ce challenge guide, vous le retrouvez en bas de cette slide ou alors directement sur le portail de la commission. Alors, quels sont les axes que vos projets doivent prendre en compte pour pouvoir répondre aux attentes de ce défi? Ce serait par exemple de présenter des solutions visant à augmenter la durée de vie, la fiabilité, la flexibilité, mais également à réduire l'impact économique et environnemental sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Ce qu'on entend par là, c'est aussi des solutions qui présenteraient la production d'hydrogène vert sans l'utilisation d'électricité. Et certains exemples qui sont cités dans ce Challenge Guide, c'est notamment par exemple l'énergie solaire qui pourrait être directement convertie en hydrogène ou encore l'utilisation de procédés biochimiques avancés de la biomasse. Vous pourrez aussi intégrer une approche dite basée sur une économie circulaire, ayant au cœur des stratégies de recyclage des déchets, de coproduction de produits chimiques, fertiliseurs verts, et également minimisant ou évitant l'utilisation de matières premières critiques. Alors il faut garder en tête que la philosophie ici, c'est que les produits en fin de vie devraient pouvoir être réutilisés et ou recyclés. Et effectivement, les matières premières critiques sont vraiment un élément qui est au cœur de la stratégie européenne globale. Et c'est un document, c'est compris dans un document que l'on verra dans la slide suivante, mais qu'il est intéressant de lire dans le cadre de ce défi. Puis finalement, dans votre projet, vous pouvez inclure des collaborations intersectorielles et de possibles intégrations de systèmes. À la fin de ce projet-là, ce qui est attendu au bout des plusieurs mois de travail, c'est un résultat qui se concrétiserait par une preuve de concept ou une validation en laboratoire de la technologie produisant l'hydrogène vert. Quels points sont importants à retenir dans le cadre de ce défi ? Donc c'est un défi un peu particulier car la thématique est vraiment au cœur des priorités actuelles de l'Union européenne, comme j'ai pu le dire. Donc il y a déjà énormément de documentation officielle où les objectifs et les attendus sont déjà bien définis. Donc comme on a pu le dire précédemment, il est absolument nécessaire que vous lisiez le Challenge Guide pour décortiquer l'essence même de ce défi. Mais il peut être vraiment intéressant également de vous renseigner à travers ces différents documents qu'on vous a indiqués là, et qui sont au nombre de 4 et qui sont des PDF. Alors il y a d'abord le pacte vert de la Commission européenne ou aussi Green Deal que j'ai pu mentionner précédemment. Une stratégie de l'hydrogène pour une Europe climatiquement neutre également publiée. Alimenter en énergie une économie neutre pour le climat, une stratégie de l'Union européenne pour l'intégration du système énergétique. Et puis finalement, comme j'ai pu le mentionner également très succinctement, les matières premières critiques, qui est une thématique vraiment importante au sein des priorités de l'Union européenne, résilience des matières premières critiques, la voie à suivre pour un renforcement de la sécurité et de la durabilité. Alors bien sûr, on vous a mis 4 textes et ils ne sont pas vraiment faciles à lire dans le sens où ils sont assez complets et parfois indigestes. Mais ce ne sont bien sûr pas des textes à lire entièrement, mais à feuilleter afin d'intégrer de manière plus générale la politique européenne sur ces thématiques-là et ainsi vous donner les clés pour y répondre dans votre projet. Nous allons donc maintenant regarder comment se déroule le système d'évaluation pour cet appel-là. C'est un système d'évaluation qui est en 2 étapes.
Vous allez donc constituer votre proposition et votre projet que vous allez soumettre sur le portail de la commission avant la deadline. Et à la suite de ça, cette proposition va être envoyée à des experts évaluateurs qui vont individuellement et à distance évaluer votre proposition selon des critères d'évaluation. Il y a trois grands critères d'évaluation pour lesquels il faut obtenir une certaine note, un seuil, et dépasser ce seuil pour pouvoir être considéré en deuxième étape. Si vous dépassez ce seuil sur chaque critère, vous serez donc considéré automatiquement en deuxième étape et votre proposition sera amenée devant le comité d'évaluation. Alors, le comité d'évaluation, il est composé à nouveau d'experts évaluateurs qui ne sont pas les mêmes que ceux de la première étape, mais et surtout du programme manager. À ce moment-là, donc, sur la base des commentaires qu'il y a pu avoir lors de la première étape d'évaluation, mais aussi selon la complémentarité des projets qui vont être intégrés au sein du challenge et du portefeuille, votre projet peut être amené à être retenu ou non. Les délais qui ont été indiqués, mais qui sont à titre indicatif, c'est qu'entre le moment de la soumission de votre projet et le moment où vous recevrez les résultats, il y aura environ 5 mois. Et il devrait y avoir également un délai de 8 mois entre la soumission du projet et le démarrage du projet. Alors, c'est vraiment des délais qui sont indicatifs et qui peuvent vraiment varier d'un projet à l'autre et des situations. Nous allons donc maintenant regarder les différents critères d'évaluation qui sont au nombre de 3. Il y a d'abord l'excellence scientifique avec le coefficient le plus important de 60%, l'impact avec un coefficient à 20% et puis la mise en œuvre, implementation en anglais, avec également un coefficient à 20%. Donc pour être considéré en deuxième étape, comme j'ai pu le dire précédemment, il faut au moins atteindre le seuil indiqué pour chaque critère sur cette diapositive. Donc 4 sur 5 pour l'excellence, 3,5 sur 5 pour l'impact et 3 sur 5 pour la mise en œuvre. Pour chaque critère, il y a des sous-critères qui vous permettent de comprendre et de rapidement identifier ce qui est attendu de vous. Pour l'excellence scientifique, il y a d'abord la pertinence du projet pour ce défi. Donc s'assurer que vous répondiez bien au défi, mais aussi que vous ayez bien considéré le fait que vous ferez partie d'un tout, d'un portefeuille de projets, il faut que ce soit clair à la lecture de vos propositions. L'originalité, effectivement, ce sont des projets qui sont en rupture avec l'état de l'art, donc il faut également que ce soit quelque chose qui puisse être vite compris et expliqué et argumenté au sein de votre proposition. Et la faisabilité de votre méthodologie, donc ce sont des projets qui sont en rupture avec l'état de l'art, donc à haut risque. Il faut bien montrer que ce risque a été géré et qu'il est bien considéré. Il faut également qu'il y ait une cohérence entre les objectifs que vous fixez, la temporalité et donc la méthodologie que vous proposez. Il y a ensuite l'impact. L'impact potentiel, donc quand on parle d'impact, on parle d'impact à court terme, à long terme, dans votre domaine scientifique, mais surtout l'impact sociétal et économique. C'est quelque chose qui est important pour la Commission européenne. Il faut que cet impact soit bien argumenté, soit quantifiable et donc soit crédible aux yeux des évaluateurs. Il y a également le potentiel en termes d'innovation. Alors quand on parle de potentiel en termes d'innovation, la question c'est est-ce que les mesures que vous proposez quant à la protection des potentiels résultats est adéquate ? Parce que l'objectif à terme, c'est de transformer ces résultats en une innovation. Donc il faut que ce soit quelque chose qui soit bien décrit et considéré. Il y a également la communication et la dissémination. Donc ça, ce sont des points qui sont également au cœur d'Horizon Europe. Donc c'est une communication et une dissémination auprès de vos pairs, au sein de votre communauté scientifique ou différentes communautés scientifiques, mais aussi auprès du grand public et auprès de potentiels investisseurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien mettre au cœur de votre stratégie et de votre méthodologie de projet. La mise en œuvre, on a d'abord la qualité de l'équipe. Alors quand on parle de qualité de l'équipe, on parle également des individus qui sont amenés à travailler sur le projet, leur expertise, pourquoi, quel rôle ils ont et quelle est leur importance, mais aussi la qualité du consortium. Quand il y a effectivement un consortium, il faut que chaque partenaire ait un rôle précis et que cela soit bien expliqué au sein de votre programme de travail. Donc il y a également, en deuxième point, le plan de travail, le programme de travail, les livrables que vous proposez, mais aussi les échelons. Il faut que ce soit bien construit et bien compréhensible. Et donc, ça montre aussi la pertinence de votre projet et le management géré et raisonné de votre projet. Et puis finalement, il y a l'allocation des ressources, donc une cohérence entre vos objectifs, la temporalité, les ressources que vous demandez en termes budgétaires et la description de ce budget. C'est quelque chose qui va être aussi étudié et analysé attentivement. Donc ces trois critères, on les retrouve en fait de la section 1 à 3 de votre partie B, qui a un maximum de 25 pages et qui est en fait le cœur même de votre proposition.
Une des premières choses à faire avant de présenter votre projet, c'est de regarder et de vérifier les conditions d'éligibilité pour cet appel-là. On vous a mis pour rappel la deadline, qui est le 27 octobre 2021 à 17h. Donc déjà, il faut savoir sous quelle forme vous pouvez présenter votre projet. Votre projet, il y a trois options. Il peut être porté par une seule entité. Ça peut être un projet donc mono-bénéficiaire. Cette entité peut être une université, un organisme de recherche, une start-up, une PME ou une personne physique. Vous pouvez également présenter votre projet en le portant via un consortium de deux entités légales, mais il faut que ces deux entités légales soient issues de deux pays différents. Il faut savoir que dans ce cas-là, il n'y a pas d'obligation qu'il y ait un État membre. Ça peut être deux pays associés ou alors un pays associé à un État membre. C'est comme vous le souhaitez, il n'y a pas de condition là-dessus. Et sinon, vous pouvez tout simplement respecter les règles standards sous Horizon Europe, c'est-à-dire un consortium d'au moins trois entités légales différentes issues de trois pays différents. Et il faut que parmi ces trois pays différents, il y ait au moins cette fois-ci un État membre. Donc la France peut par exemple être considérée comme l'État membre dans ce consortium. Alors combien en termes de budget, le montant qui est donné à titre indicatif, c'est 4 millions par projet. C'est à titre indicatif dans le sens où vous pouvez demander plus, mais il faut vraiment que ce soit justifié et que ce soit expliqué. Ça peut être notamment lié à votre domaine scientifique ou aux ambitions de votre projet. Et la durée, alors la durée est effectivement pas non plus précisée. On a mis une durée assez large, une fourchette assez large pour que ce soit plutôt indicatif, donc de 36 à 60 mois. Mais ce qu'il faut garder en tête, comme j'ai pu le dire précédemment, c'est qu'il y ait une cohérence entre votre méthodologie, le programme de travail que vous présentez et la durée du projet. Quels sont les petits plus de l'EIC Pathfinder Challenge? Tout d'abord, vous pourriez avoir accès durant votre projet à des financements additionnels qui vont jusqu'à 50 000 euros. Ces financements additionnels, ils sont là pour vous permettre d'entreprendre des activités complémentaires. Ces activités complémentaires, c'est souvent dans le but d'explorer de potentiels chemins vers une commercialisation. Ça peut être identifier des processus de commercialisation, faire des études de marché, vérifier le potentiel d'innovation de votre technologie. Vous pourrez aussi avoir accès au Business Accelerator Services. On va le voir précisément sur la slide suivante. Et puis finalement, en étant lauréat EIC Pathfinder Challenge, vous êtes aussi éligible à l'EIC Accélérateur via le Fast Track. Ça vous permet d'avoir une sorte de raccourci potentiel et d'aller directement sans passer par la case EIC Transition. On va maintenant regarder plus en détail ce que sont ces services d'accélération de business, ou en anglais Business Accelerator Services. Donc ces services-là, ils ont bien sûr pour but de vous permettre d'avancer la maturation de votre technologie et ils sont aussi une nouveauté d'Horizon Europe et vous allez pouvoir en bénéficier en tant que lauréat Pathfinder Challenge. Ils se décomposent en trois grands axes. Un premier axe qui vous donne accès à du coaching, à des expertises, à des formations personnalisées selon vos besoins. Ça vous donne également accès à un réseau de partenaires internationaux pour de futures potentielles collaborations. Et puis c'est également une porte d'entrée dans l'écosystème européen de l'innovation. Au-delà de simplement fournir des services, ces services-là d'accélération de business, ils vont aussi se composer par les utilisateurs et par les interactions qu'ils vont générer. Et pour finir, on vous a mis quelques liens qui nous semblent très utiles au-delà de la lecture du simple Get Challenge. Il y a donc tout d'abord deux webinaires qui sont très pertinents. Le webinaire qui a été fait par le ministère au niveau national pour le lancement de l'EIC. Et le webinaire qui a été fait cette fois-ci par la Commission européenne, qui peuvent être très intéressants à visionner avant de soumettre votre proposition. Il y a également un lien pour le PDF du Work Programme de l'EIC de 2021, ou aussi en français Programme de travail. Vous retrouverez toutes les informations sur les Pathfinder Challenges, mais surtout sur l'EIC de manière générale, comment il s'articule, quels sont les objectifs, et ça peut être un bon moyen d'avoir une compréhension plus globale sur comment articuler votre projet pour vous intégrer dans cette vision-là. Et puis finalement, on vous a mis le lien du portail de la Commission européenne où vous ferez toutes vos démarches pour soumettre votre proposition et uploader tous les documents qui sont demandés. On arrive à la fin de cette présentation. On espère vraiment que ça vous a plu et que ça a pu être utile. On vous remercie également d'avoir suivi cette vidéo. En attendant, on va également organiser un webinaire qui sera plus global sur les différents Pathfinder Challenges. Donc pour suivre l'actualité du PCN, n'hésitez pas à vous rendre sur le site du ministère dédié à Horizon Europe. Et en attendant également, n'hésitez pas à nous faire des retours sur ce qui vous a plu ou ce qui vous a manqué dans ces présentations. Et sinon, je vous souhaite à tous une très bonne journée.